Si ça m'arrange. Est-ce qu'il a des raisons de 24? Bon, de toute façon, c'est un roblard feu. Problème des roblards feu qu'on a en général, c'est qu'il joue n'importe comment, mais juste il tape trop fort, donc on perd. En général, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, il spam grenaille et le coup de cac, et on se fait fumer parce qu'il tape trop fort. Et là, c'est un mec qui a 1200 d'intel, donc ça risque d'arriver, mais on verra, pas sûr. Après, il a pas beaucoup de... Bah, en vrai, on a les mêmes restes feu. Hein. Par contre, on n'a pas les mêmes vita. Hein. On n'a pas la même vita. J'ai un PA de plus. C'est un avantage. Hein. Ouais. Il va ruse. J'ai un PA de plus, c'est l'avantage qu'on a. Est-ce que j'ai plus de restes neutres que lui? Non, parce qu'après, il joue pas forcément avec méga bombes. Hein. Les gens, ils jouent pas souvent avec méga bombes, d'ailleurs. Le problème, c'est que contre ce genre de roublard, tu fais un mauvais placement, t'es mort. Genre, il te tue, genre, à partir du tour 3, tu fais un mauvais placement, t'es mort. C'est terminé, tout le monde descend, voilà. Donc t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Genre là, déjà, je vais m'exposer de fou pour aller le murer. Je sais même pas si c'est rentable, mais bon. Ouais, à mon avis, c'est pas trop rentable, mais vas-y, tranquille, hein. Voilà, ça met un peu de pression, on va dire. On va dire ça comme ça. Bah, tu sais quoi, je vais mettre ma bombe ici, je pense que ça gêne plus. Ouais, il pourra très clairement nous murer aussi, hein, mais bon. Pas le choix, faut prendre un peu des risques. De toute façon, là, franchement, tous mes combats, je suis obligé de prendre des risques, parce que j'ai pas l'avantage. Hein. Sur quasiment tous les combats, j'ai pas l'avantage. Faut prendre des risques. Et des fois, ça paye, hein, des fois, ça paye. C'est Marc Xavier. C'est fini, les lives le soir. Non, pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il joue avec aimantation, c'est ça? Non, ok, il a croise... Ah, d'accord, ok, il a pas tué ma bombe qui est là-bas. Ah, c'est vrai que tu vois, il a un posture aussi qui est quand même pas mal. Là, il va bombarde, non? Moi, j'aurais bombarde à sa place. Et c'est ce qu'il fait, c'est bien joué. Tu vois les dégâts qu'il fait sur un mur tour 2, là il fait du 500. Nous on avait fait combien? 350? Tu vois, il y a quand même une grosse différence. Là on est déjà mid-life, le combat vient de commencer quoi. Ça pique un peu quoi, quand même, en vrai. Déjà là, je suis peut-être déjà mort, hein, mais bon, est-ce que j'ai vraiment le choix de faire autre chose? Pas trop. Il me reste 2 PA pour une latente. S'il joue bien, je pense qu'il nous tue, mais bon, honnêtement, on pouvait rien faire de mieux, sérieusement. On peut pas faire mieux, il tape trop fort, c'est tout. On va voir, peut-être qu'il joue mal et qu'il nous tue pas, mais normalement, là, un broublard me tue. Hein. Après, il a que 9 PA. Allez, un petit sentient, peut-être, ce serait miraculeux, peut-être. Parce qu'en vrai, tu vois, il descend vite aussi. Hein. Là, c'est comme d'hab, s'il nous tue pas maintenant, on peut peut-être le tuer aussi, c'est toujours pareil. Mais là, je pense qu'il va mettre un roublabot, un truc du genre, non? Après, je sais pas s'il peut. Hein. Et il va roublabot. Après, il met le roublabot sur l'ivoire, ça veut dire. Donc, on n'est pas forcément mort. Hein. Franchement, c'est pas fini. Parce que là, on prend sur l'ivoire et on proc peut-être le scinti. Fais voir, 400, 800, on proc le scinti. Ah, c'est pas fini cette fois. J'ai pas dit mon dernier mot, Harry. Oula, attends, faut pas que je me tacle. Ah bah c'est bon, on le tue, tu vois, Karma, hop. Enfin, Karma. Ça passe normalement. Je vais prendre aucun risque avec l'autre méga bon, je vais même pas taper dans les trucs. Après, non, j'allais dire, même si un ceinture, on meurt pas, voilà. Il a fait un fail. Enfin, tu vois, c'est ça, les combats contre Roublard, quand ça joue aggro, c'est intéressant. Ouais, en vrai, c'est intéressant, ça se joue sur, sur des détails. Normalement, il meurt, hein, sauf s'il y a un truc, mais non, ça passe. Voilà, ça fait plaisir. Tu vois, faut jouer risqué. Hein. Là, j'ai pris des risques, je me suis exposé à son roublabot et bah ça paye parce qu'on prend. Allez, on protège un max les bombes. Il nous reste 4 PA. Je vais mettre des latentes histoire d'avoir de la mobilité. Hop, on prépare le jeu, on prépare le terrain. Est-ce qu'il a fortif ou pas encore? Il avait. Eh, mais il a joué rempart. Oula, bah ça, ça nous aide. Hein. Ça, c'est un mec qui fait du 3v3 et du coup, il a pas changé ses variantes. Il joue gare rempart. Hein. Donc tant mieux. Parce que ça, ça nous aide fortement vu que ça reste un tour de moins et que ça se debuff de toute façon. Donc ça va. Là, on prépare le terrain, il va sûrement tuer la bombe, mais c'est pas grave, il y a aussi ça qui compte. Il a des res neutres, il a que 7 neutres. Le problème, c'est qu'il a 75 réfixes. Ah, par contre, fait KO, c'est assez chaud. Assez chaud l'effet KO parce que bah ça tape fort de loin et que nous, on préfère que l'effet K se rapproche. Quoi. Comme là, par exemple, il s'approche, tant mieux. Bastion, bah écoute, je sais pas si je vais aller le debuff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, non, parce que de toute façon, je vais péter les bombes là-bas. Ou alors, je pars par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas si ça passera.
On va rapprocher ça un petit coup. Ok, la méga, on va l'approcher aussi. Et on lui fait des bons dégâts, hein. Sérieusement, on lui a déjà mis 800, là, un peu... Ouais, un peu plus, même 900. Sachant qu'il a pas d'ébène, lui. Il peut tomber vite, hein. Vu qu'il a plus de bastion, plus de rempart. Il a pas de tac, je crois. Attends, fais voir. 27 de tac. Donc non, il a pas de tac. Donc on sera pas dans un gravita. Ouais, ça peut vite tomber de son côté, quoi. Bulle, et peut-être même un bouclier féca, là, non? Ah, je me disais bien, gros, bouclier féca, quand même. Allez, on va debuff tout ça tout de suite, on perd pas de temps. J'ai combien de tacs? 25. Le problème, c'est qu'il peut nous mettre dans nos bombes, ça peut être un peu risqué. Je sais pas où me placer, sérieusement. On va se mettre par là. Les mégas sont pas très utiles pour l'instant, on essaiera de l'utiliser plus tard. Il descend vite, c'est la bonne nouvelle. Il a plus aucune protection. Il a plus aucune protection à part l'égide s'il joue avec. C'est tout ce qui lui reste, l'égide. S'il joue avec, parce que c'est pas sûr du tout. Je me rappelle plus s'il avait déjà TP ou pas. Je crois pas qu'il ait TP. Il a plus de bastion, plus de rempart. Ah, il a peut-être le rempart, mais franchement. Ah, ça fait chier, mais je sais même pas si. Non, il a pas, je crois, je l'avais debuff. Bah, je me rappelle plus. De toute façon, il a plus de PA, donc c'est vite vu. 2000 HP. Bon, je pense qu'il crève, sérieusement. Ah merde, je crois que ça va pas tirer comme il faut. Ouais, bon. C'est pas très grave, ça. On va faire comme ça. Et après, on va mettre une méga. Il va crever tous les jours. Parce que les mégas, elles font max de dégâts. Hop, hop, là il est déjà mort. Hein. Ça passe largement. Puis il y avait l'autre méga bombe qui allait taper. Il y avait de la marge. Je l'espère. Parce que sinon il va pouvoir clean les méga bombes sur ligne de vue et tout. Ça va me saouler. Vous connaissez les bails. J'ai 14 PA tour, hein. Quel plaisir. Ce petit prision là. Qui est super facile à craft en plus, c'est honteux. Alors, ouais. Donc c'est bien un zombie coup. Par contre, vraiment pas beaucoup de raise. Hein. Très peu de raise. C'est peut-être le moment pour nous de briller quoi. On n'a pas de répoux. Enfin, si, on a 36. Putain, il recule, sérieusement. Bah, attends, bénef. Hein. Ultra bénef le fait qu'il recule, hein, sérieux. À part s'il a un PO infini, mais je vois pas pourquoi il aurait PO infini. Ah, il diffraction. Et j'ai même pas que le masque. Ah ouais. Il vient de donner du shield à mes trucs, là. Je suis au top, moi. Ah non, mais ça, c'est ultra bénef. Hein. Tu sais que je vais même pas remettre de bombe, du coup. Je vais continuer de booster la méga. On va la booster le plus possible. Hop. Ah merde, elle a du shield celle-là, my bad. J'avais zappé, c'est pas grave, c'est pas grave. Il a déjà pris ultra cher les gars, hein. Franchement. Bon, les meilleurs du coup sont pas très utiles, je vais pas te mentir, mais je peux. Donc c'est soit il nous tue maintenant. Est-ce qu'il nous tue maintenant peut-être? Est-ce que ça va être comme d'hab? Est-ce qu'on va perdre de très peu comme d'habitude? S'il nous tue pas maintenant, on le tue, mais alors 100% gros. Vraiment, hein. S'il nous tue pas maintenant, on le tue tous les jours. Mais j'ai peur qu'il nous tue maintenant. C'est dommage que si j'avais extraction sur celle-là à la place de l'autre, ça serait sûrement passé. Ah, c'est bon, il fait ça, donc c'est bon, tranquille. Oh là là, on va voir ce qu'on va lui mettre, mais je pense que ça peut être sympa. Hein. Oh, on proc pas le senti, malheureusement. Ah oui, il fallait que je fasse ça avant. Ah non, j'aurais pu la garder celle-là. Attends. j'ai rien calculé. Tu sais qu'on va roublardis. Non, on va pas roublardis, ça va gêner. J'ai rien calculé, mais ça peut être sympa. Alors attends, celle-là, elle va aller là. PTL.
Oh là là, il va prendre tellement cher. Bon, il est mort 18 fois par jour. Hein. Oh, la triple méga bombe. Il y a même pas de... Là, dites-vous, il n'y a même pas de dégâts feu qui sont passés. Hein. Là, il n'y a aucun dégâts feu qui sont passés. Il a pris la première explosion de la méga. Ah non, c'est pas ça, c'est celle-là. Je sais même pas c'est quoi les dégâts. Il y a trop de dégâts. Ça, c'est les deux méga bombes qui avaient collé. Je vais rush, mais bon, je sais pas si c'est le jeu. Si c'est bien de rusher comme ça, là. Bah ouais, ça va, je les sauce pas trop non plus, non, c'est ok. Encore un SRAM qui a pas beaucoup de res neutre, pas beaucoup de res feu. Plutôt une bonne nouvelle. Et pas beaucoup de vita max, hein, sérieusement. Encore un SRAM qu'on peut punir assez vite. Malheureusement, la map est un peu grande. Mais si on reste au milieu de la map, ça peut être cool. Piège répu, piège de dérive. Il a pu mettre ça par là. Je mettrais peut-être une bombe à eau ici, là. Et il tue la méga bombe, malheureusement. Mais ça lui fait 350. Normalement, le répu est là, non? Ouais. Tant mieux, ça nous fait pas de dégâts en plus. Rentable, là, pour le coup. Ah, d'accord, il restait le dérive. Bon, c'est pas grave. Ça fait un peu chier, mais c'est pas la fin du monde. Il lui manque une case. C'est pas grave, je savais. Enfin, je savais. J'étais pas sûr du tout qu'elle avait assez, mais ça, c'est pas grave. C'est juste histoire de remettre des bombes sur le terrain, histoire de le bloquer un petit peu. Ça aurait été mieux, évidemment, que s'il y avait un PM de plus, mais ça, c'est à cause de son dérive, quoi. C'est pas grave, hein, franchement, y a pas de panique. Toxine, ça c'est super chiant. Piège répu. Ok, donc c'est vraiment un SRAM qui va jouer Toxine. Attends, par contre, il avait quoi? Il avait 4 PM ou 6? 4, hein. Avec un dérive, donc ça fait 6. En étant là, il a pas déclenché, donc ça fait 4. Et il aura un gameplay plutôt reculé, là, vu son gameplay. Alors, il est visible. Ah putain, il était parti là-bas. Je pensais qu'il était reparti par là, du coup, non. Du coup, ça va être chiant, il va tuer la méga bombe. Bon, ça va, il galère un peu à la tuer. Ça va être chaud parce que là, il va rester loin. Du coup, ça va être super relou. Alors que s'il avait été par là, ça aurait été bien mieux pour nous. En plus, il met des répus dérives à tous les tours. Il est trop chiant. Il a vraiment un gameplay insupportable. On va se prendre le répu. Même pas, putain, incroyable. Waouh! Fabuleux. Malheureusement, la méga bombe est trop low HP, quoi. On pourra pas l'exploiter alors que ça peut faire super mal. Même une méga bombe comme ça qui est pas trop boost, tu peux vraiment fumer le mec avec. Coup sur noix. Ah, il joue méprise, putain, incroyable. Je crois qu'il joue méprise parce qu'il a pas fait peur, il a fait coup sur noix. Mais c'est incroyable ça, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Un SRAM qui joue méprise à bas côte, waouh. Alors, fausse commune pour éviter l'entourloupe. Et il a un cerveau, hein, ce SRAM. Hein. Sérieusement, il a un cerveau. Hein. Comparé à pas mal de SRAM d'habitude qui ont absolument pas de cerveau, il en a un. Félicitations pour ton cerveau, il va tuer la méga avec son truc. Franchement, il a un cerveau bien plus que d'habitude. Hein. Alors. Ça va être assez chaud de tanker, parce qu'en plus, je me prends des pièges à tous les tours. Ah putain, mais j'avais pas vu, il a pas de point de vie, il peut quasiment crever là-dessus. Putain, j'aurais dû savant 700. Ouais, non, ça serait pas passé, je pense. Putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'aurais peut-être du grenaille au lieu de me. Ah, mais oui, je suis con, j'ai plus de bombe en plus. Bon, attends, faut que je tape ma bombe, j'ai pas le choix. Pour me soigner un peu. J'aurais dû faire sur le SRAM, mais j'avais pas vu, j'avais plus de bombe, c'est my bad. C'est pas très grave, hein, parce que si on meurt pas maintenant, après peut-être qu'il peut nous tuer. S'il joue bien, il nous tue, hein. Là, s'il joue bien, il nous tue. On verra bien. On va voir, est-ce qu'il nous tue ou pas. Parce que là, s'il nous tue pas, je pense que nous, on conclut. Hein. Après, attends, il avait un vie, Tourin, ou pas? Je me rappelle plus. Parce que s'il a l'invie maintenant, c'est chaud. Répu scélérat, il veut nous murer, je suppose. Mais il peut pas. Ah, non. Bah, il a fait de la merde, je pense qu'on gagne. De toute façon, il pouvait même pas s'il joue pas avec peur. Hein. Il joue avec peur ou pas, les gars? Je me rappelle plus. Je crois pas qu'il joue avec peur. Hein. Donc, en gros, il pouvait pas, quoi. Par contre, ça serait bien que je bégaye pas, quoi, tu vois. Parce que des fois, je bégaye dans ce genre de situation. C'est ultra free, mais je bégaye. Bien joué à lui. Franchement, je trouvais qu'il avait un cerveau. Bah, il était pas très opti, par contre. Parce que, genre, au niveau des restes, c'était dégueulasse. Mais il avait un cerveau. Bah, sauf sur la fin, malheureusement, pas de cerveau, mais. Oh. Oh là 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 là. Pain des nus. Bon, let's go. En vrai, la map est pas trop mal pour nous. Tu vois, là, typiquement, il a des meilleurs restes que celui de tout à l'heure. Ça va être chiant, quoi.
Je crois que je vais rush en vrai. C'est super risqué, mais bon, enfin risqué, c'est pas vraiment risqué, mais. On va la jouer agressive contre Stenu, tu sais quoi, comme ça au pire on perd rapidement, c'est pas grave. J'ai Ben contre VK parce que les Ben il fait le taf contre eux, mais bon. Faut qu'il y ait Fortif tour 1. Donc ça je comprendrai jamais les mecs Fortif tour 1, sauf s'ils s'avancent à mort. S'ils s'exposent, je comprends, s'ils s'exposent pas, je comprends pas. Genre s'ils terminent genre là, c'est rien de Fortif. De toute façon je vais pas venir te taper frérot. Il va charger son ébène, mais il aura qu'une charge, donc c'est pas ouf. En vrai c'est bof. Ah mais du coup j'allais mousquer, mais j'ai pas mousqué de toute façon. Fulminant. Ouais il s'expose, donc ça va, le Fortif est compréhensible. Ouais, on comprend quoi. Bon. Putain, il me reste des PA. Ça va charger les bennes en Y. Bon, il en est à 3, donc s'il veut mettre les bennes, il faut qu'il fasse un dommage mêlé. Il peut pas nous choper directement, on est bien placé. Il va peut-être tuer les bombes, du coup j'en sais rien. Il va TP et peut-être Gravi. Il est terre, il est retrait peut-être, terre retrait, je sais pas. Marteau, oula. Ouais, heureusement qu'il crit pas là-dessus, parce que ça aurait piqué. Ah, on est quand même taclé, je pensais pas. Un peu relou, cette histoire. On va le taper avec ça, mais bon. Ouais, ça tape du 0 sur fortification, c'est normal. Bon. Il prend un Emen à 220 et il a plus de fortification à partir de maintenant. Ah, mais oui, il nous a volé de la fuite, c'est pour ça qu'on est taclé, sinon on n'aurait pas été taclé. Coup de marteau, sûrement. Tu sais que s'il crit pas, je sais même pas si. Ah oui, c'est quoi ce sort? Éblouissement? Putain, mais il joue tout ça avec ça maintenant, les figures. Pourtant, c'est pas ouf. Comme d'hab, on fait notre Osamodas, les gars. Oula, ça fait mal en plus. Très rentable pour le coup. Je crois qu'il a pas la TP, donc là, ça va être une petite PLS proposée. Il va sûrement vouloir tuer les mégabombes, mais s'il les tue, elles explosent. Et s'il les explose, il est mort. Hein. Là, il est un peu échequé mat en vrai. Bon, je pense qu'il va se barricade, un truc du genre, j'en sais rien. Il a pris cher là-dessus. Bah, on va voir. Je sais pas ce qu'il va faire, mais il est obligé de faire un truc, quoi. Ouais, l'IB, par exemple, c'est pas mal. Il lui reste 8 PA, retour de bâton. Plus que 5, et il va peut-être bien lâcher un bastion ou une barille, quoi, quand même. Bon, sûrement bastion, du coup. Voilà, donc ça, faut aller le debuff pour nous. C'est très clairement faisable. Et je comprends pas pourquoi il fait pas. Bah, il a fait pas aveuglement parce qu'il a pas le sort, en fait, tout simplement. Je me suis dit, ouais, gros, fais aveuglement, mais en fait, non, t'as pas le sort, frérot. Bon, on sait pas pourquoi. Personne sait, pardon, pourquoi il a pas le sort, mais il l'a pas. Mystère. Oh, il est mort, là, quand même, hein. Il est mort un peu là quand même, normalement. 750, il y a la méga bombe qui peut taper. C'est à peu près tranquille quoi. Il nous reste combien de points de vie? 11, waouh. Là, si je veux le tuer, je peux faire péter. On va laisser le mur faire le taf. Bien joué à Osfeka. Ah, tu vois, il a pas beaucoup de res et tout, ça se passe voir. 4500 points de vie par once. Et il a un ébène, je crois. Donc là, c'est un match à notre portée. L'écra, au moins, c'est à notre portée, quoi. Faut voir le bon côté des choses. C'est même plutôt à notre avantage, je pense. Avec ce stuff. Alors, flèche de recul. Une représailles, peut-être? Non. Flèche de recul encore. Bof. On s'en fout un peu, de son, il y a la friruse. Et tir de barrage. Ah ouais, il joue vraiment PVM. Flèche cinglante tant que tu es gros. Hein. Si tu fais un méno, là, tu peux nous cinglante. Hein. Il n'y a pas de problème, hein, Luzera. Petite percutante, pourquoi pas. Faudrait y penser, mais bon, ça devrait.
une priorité là. J'ai déjà croisement en plus, malheureusement. J'aurais pu le murer, non? Attends. Écoute, c'est pas très grave. On va juste faire ça. Merci pour les 8 mois de sub, en tout cas, gros, ça fait plaisir, pardon. Hop, parfait, on lui met des bons dégâts, on n'a plus de représailles sur la gueule, on n'est pas vraiment en danger. Et du coup, c'est un cratère, en fait, vu qu'il avait fait Arc Shala, je viens d'y penser. Ouais, c'est complètement un cratère. Bon, mais bon, ils sont pas très bien placés, mais avec un croisement, je pourrais la virer et après repartir à zéro, limite. Flamish, coup d'arc, ou pupu, peut-être, non? Mais c'est un cratère qui joue... Peut-être il joue... Bah non, il est pas que terre, en fait, il est multi. Il fait des trucs bizarres quand même, hein. C'est pas très clair tout ça. En vrai, je suis kaboum en plus, ouais. Il n'y a pas vraiment de danger vu que je suis kaboum. Points de vie, ça devrait passer au calme. Ouais, les cras, ça fait plaisir de vous croiser, mes potos cras, quand même. Hein. Heureusement que vous êtes là. Hein. Parce que putain, les Ujinak de mort, là, full res, c'est pas la même chose, quoi. Ah, il nous met quand même un peu dans le mal, hein. Légèrement dans le mal. Ce sera pas suffisant, mais... On passe 190.